Bienvenue à tous, bienvenue pour cette 13e partie de ce What Who sur Resident Evil 0. 20. Pour ceux qui ont suivi ce What Who, je rappelle que sur la précédente vidéo, ça avait été très difficile. J'espère que ce chiffre 13 nous portera bonheur, je l'espère. Et puis voilà quoi, je vais présenter mes excuses aux producteurs qui ont fait les jeux de Resident Evil parce que j'ai ragé, puis j'ai insulté, j'ai dit bande de connards, vous savez pas faire un jeu, ça fait que j'ai reçu des plaintes et j'ai reçu des appels de ces producteurs qui m'ont appelé et qui m'ont dit ouais mais attendez, vous prenez pour qui, vous voulez qu'on vous raille définitivement de YouTube à cause de votre vidéo au vocabulaire très bas. Je rigole, il m'a pas appelé, c'est juste que voilà, je m'excuse quand même, d'accord, vous avez fait des bons jeux, mais en Resident Evil c'est dans l'histoire du jeu vidéo, c'est un culte, c'est culte, mais voilà, c'est moi hein. C'est Freddy Rage, je suis comme ça hein. Je rage. Je rage. Ouais, voilà. Putain, y'a Ron qui m'a mordu. D'accord, lui il porte un casque, tout à fait normal. Un zombie qui porte un casque. Ah, en fait c'est un casque, j'ai cru qu'il était Ron. Qu'il était roux, voilà. On est où ici? Bon, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est les deux précédentes vidéos plus cette vidéo, je les ai fait, on est combien, on est le 23 du 6, ça veut dire qu'on est le 23 juin, normal, et on est le 23 juin et aujourd'hui c'est la fête de la musique en fait, mais j'ai pas été à la fête de musique parce que samedi et dimanche il a fait moche. Voilà pour la petite anecdote qui sert à rien. Ah là là là. J'ai mis 3 balles depuis la pompe, ça lui a rien fait à ce gros fils de pute de merde. Il faut m'expliquer. Attends, non, je vais pas faire demi-tour, je pourrais aller chercher un pistolet grenade juste pour le niquer lui. Attends, ça je te gueule. Et non, vas-y, mais le mec il a même pas perdu un bras, il a même pas perdu une jambe, le mec. Non, logique. Mais je peux le niquer avec le fusil à pompe, j'en ai déjà un, j'en ai déjà niqué un au fusil à pompe, pourquoi je pourrais pas là? Vas-y, cours, Rebecca! Mais c'est quoi ça, l'homme élastique man, le bordel? Mais putain, il faut complètement pas le niquer lui! Cette porte n'est pas poignée, il n'y a pas... Mais c'est qui ont mis une porte qui dit une porte sur sa poignée? Mais vas-y, c'est des sensus, tu putain, la pute. Non. Raté. Non mais la meuf, elle s'est arrêtée par des sensus. Tu
Putain, mais il est incroyable. Deux mètres. Avec un Akomo. Il va gonfler, explosé ce con. C'est quand il veut. Mais putain, pourquoi elle n'arrive pas à le toucher? Oh mais quoi, t'es une pute, t'es une sale pute. Je n'arrive pas à le toucher. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, moi je trouve pas ce jeu normal. Mais je le touche pas. Putain, c'est quoi ce jeu de merde là? Putain, mais j'hallucine là. Ouais, c'est quoi? C'est beau, c'est mort, c'est ma tire enculée. Putain, mais c'est pas vrai là. Mais pourquoi je le touche pas? Genre les balles ils vont à 2 cm et tout. Ouais, t'es clair, toi, je vais pas jouer à un billard avec toi. Tous les balles de fusil à pompe que j'ai gâchées. Oh, oh mon dieu, je l'ai même pas touché. je vais pas m'énerver parce que moi je suis quelqu'un qui s'énerve jamais, je ne rage pas. Je vais pas rager, pas question que je rage. Pas question, non, 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 non. Oui, j'ai une grande passion, c'est de monter et descendre les marches. J'adore, j'adore. Ah mais genre il nous fait la même que Resident Evil 2. Putain. Ah ouais, c'est la même. N'importe quoi. C'est la même chose que Resident Evil 2. N'importe quoi. Alors quand je ferai le waifu de Resident Evil 2, vous allez voir, il y aura une partie ce sera exactement pareil. Enfin, exactement pareil. Non, il n'y aura pas le truc du milieu qui je sais pas à quoi il sert déjà. Bon.
C'est de la logique, messieurs dames, c'est de la logique. Si j'ai bien compris, elle n'est pas assez forte pour pousser ce truc. Elle n'est pas assez forte pour pousser ce truc, d'accord. Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? What could have done this? They must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Bon, mon cher Billy, je suis content que tu es vivant. En parenthèse. Mais j'ai besoin de toi, voilà. J'ai besoin de toi pour que tu pousses des caisses, voilà. Alors, je sais que tu viens juste de passer vraiment une partie de ta pauvre vie, de ta pauvre existence vraiment difficile. Mais je suis obligé de te demander ça pour que, voilà, quoi. Faut que tu bouges ton cul. Parce que pendant que moi, pendant que tu dormais, moi. J'ai galéré. C'est ce que j'ai galéré, petit Billy. Ces commandes régulent le remplissage et l'évacuation de l'eau dans les réservoirs et contrôlent aussi la rotation de la rampe. Okay. Utilisez l'appareil remplir, vider ou pivoter gauche. Pivoter gauche. Je veux dire, je sais pas ce que ça veut dire pivoter gauche. Je t'emmerde, hein. Ok, hop, hop, tu crois que tu parles. Je suis fou. Bon, enfin, qu'est-ce que je voulais dire, moi? Attendez, il faut réfléchir. Je réfléchis. Ça, je vais la pousser là. Ça, je la pousse là. Oui, et puis. Et puis voilà. D'accord, 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 d'accord. Ouais, ouais, ouais. Bon, Billy, You stay here. Yeah. Descends dans la cuve. Prends ton bain.
Si vous comprenez quelque chose, moi je puisse pas. Bah, normalement, quoi, je pousse ça là, puis c'est bon. Ah, d'accord. Tu veux mourir, oui. Tu veux mourir. Non, d'accord. Ah oui, ça y est, je vais comprendre. Faut juste que je la pousse un tout petit peu. Avec un... Ouais, ça, c'est ça, quand ça me casse les couilles, ça. Oh, putain, c'est un jeu de zombies. Vous savez, pendant qu'on fait ça, on pousse des caisses, mais stupidement. Et qu'est-ce qu'ils font, les zombies, là? Hein? Pourquoi les zombies? Vous croyez qu'ils boivent un café? Ils sont en train de boire un café en disant, attendez les gars, ils sont pas dans notre niveau, on peut pas les attaquer. Là ils sont dans un niveau où ils sont en train de galérer pour mettre des caisses. Et je fais deux fois la même manipulation. Pourquoi ça ne rentre pas? Ah putain, oh non, la vanne. Oh la vanne de l'an 2000. Ah, je crois que je l'ai pas poussé jusqu'au bout là, qu'est-ce là? Bah, je suis niqué. Je suis niqué, apparemment. Ouais, je suis niqué. En fait, je l'ai vachement mal poussé, cette caisse, ça fait que cette vidéo aura servi à rien. Faudra que je recommence une, mais ça vous le saurez pas. Alors, si vous le saurez, mais... Voilà quoi. Cette vidéo, vous ne pourrez pas la voir, ça fait que là, en ce moment, je suis en train de parler dans le vide. Putain, c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas vrai, mais je te jure, mais... Oh là! Ah, je vous jure, moi, je vais arrêter les jeux vidéo, hein.
je vais arrêter les jeux vidéo parce que moi, genre, là, j'en ai marre. C'est vrai que j'en ai marre. À chaque fois, je fais un what fou, il y a un truc qui merde, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon bah finalement bah si hein, je vous la voyez cette vidéo. Je crois que ça. C'est bon. J'ai réussi. Je suis content. J'ai mis au moins une heure pour. Bon, il nous faut la batterie. Ça fait que je vais laisser Billy y aller. Ouais, je vais y aller avec Billy. Prendre la batterie qui est au tout début du jeu. Voilà. Pour la mettre dans la machine là. Puis voilà quoi. Pour récupérer un truc à mon avis important. Enfin, je l'espère. Vas-y Billy, monte ces escaliers. Merci. Bon, enfin bref, j'étais ici pour rien, mais bon, voilà, j'ai déjà ouvert la porte, hein, c'est déjà bien, hein. Faut aller chercher la batterie, hein, ne changeons pas notre destination. Allons chercher la batterie. Enfin, il a enfin explosé. Bon, à croire que c'est Billy, tu vois, qui le fait exploser. À chaque fois qu'il voit Billy, il gonfle. Boum! Il est peut-être pédé. Hein.
Oui, j'ai un deuxième kiff. Un deuxième kiff, c'est de passer, repasser les portes comme ça pour rien. J'aime bien, tu vois. C'est très distrayant. Billy. T'aurais dû te noyer, Billy. T'aurais dû te noyer. Parce que je vais te finir. Je vais te finir. J'ai l'impression de revenir au début du jeu, hein, au début du What for It. Ben voilà quoi, je vous disais que c'est un espèce d'open world, mais c'est bizarre. Vous voyez, j'ai dû mettre le deuxième CD pour aller dans la deuxième partie de la map, hein, en gros. Puis là, pour revenir à la première partie de la map, j'ai pas eu besoin de mettre le CD. Bah les premiers CD c'est assez bizarre. Non non, je vais récupérer la batterie. Mais pourquoi tu... Billy, tu fais... Pourquoi tu me fais mon ascenseur? Y'a personne dedans, puis c'est Billy. Tu fais chier. Non non, je veux récupérer la batterie. Prendre l'ascenseur. Non. Prendre l'ascenseur. Non. D'accord, alors si j'ai bien compris. La batterie là, elle doit rester ici en fait. Ça fait que j'ai fait ça pour rien. C'est pas possible, non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Non. Mais vous savez, je suis en train de me dire, est-ce que c'est cette batterie qu'il faut récupérer? Ou alors non? Vous savez, je suis en train de me poser de l'ascenseur, non. Non, bon, on peut pas prendre la batterie, bon, ok, mais on le sait. Ça fait que, voilà, j'ai fait ce petit aller pour rien. Ça nous a permis de faire un petit jogging. Courir et faire ça de sport est très important pour la santé de l'homme. Ça nous maintient en forme. Même si des fois l'homme il devrait retourner son arme contre lui-même et se tirer une balle. Ça serait un bien mais ultime pour l'humanité et pour la nature. J'en ai marre de marcher dans la pisse.
monter à l'échelle. Non, non, je vais me faire bouffer par un zombie, je préfère me bouffer le dos par un zombie, vois-tu. C'est quoi ces putains de zombies jaunes là? Ils se prennent pour des Pokémon ou quoi? Pikachu! J'en ai tiré des balles. Je suis en train de prendre un vrai bluff. Ouais, d'accord, genre il s'est bouffé par un Pikachu ou le daron, oui, c'est bon, il sort plus. Putain, mais c'est allô quoi. Allô. Quelqu'un? Pire table. Mais genre, et si vous êtes tous vous faire enculer par le pape? Le pape, il aime bien. Non, panique, faut pas paniquer. Non, 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 faut pas paniquer. Je m'attendais à trouver quand même un peu plus de choses, mais bon, voilà, ouais. Super. Lettre d'un suicidé. N'avance pas, ou je te tire une balle d'acide citrique. Tu vas la sentir. Non, ça va tuer. J'adore cette vue Resident Evil où on voit rien. Il peut pas tirer, c'est même pas roulé. Je crois à qui il est mort. Ouais. Oh, écrase-lui la gueule, voilà. Je lui ai collé une balle dans le cul.
Ah bah ça tombe bien, une zone de chargement, de sauvegarde. Voilà quoi. C'est ici qu'on va se quitter dans ce truc là, je sais pas ce que c'est des couchettes, c'est là où les gars ils travaillaient ici, dormaient ici. Moi bien parlé, vous voyez. C'est vrai que je sais pas parler putain. Je mélange les mots, les phrases, tu vois. C'est la bout de temps qu'il est mort. Ouais. On va faire un bout de temps. Hey! Tu ramasses les balles ou tu veux lui rouler une pelle au mort? C'est quoi? C'est un ruban. Un ruban encre, voilà. Je suis blindé de ruban encre. Voilà, après, bon, ça va, je sais pas pourquoi. Une porte qui va nous mener je sais pas où. Liquide de batterie, liquide des batteries. Ce liquide est une solution d'eau et d'acide sulfurique. Les deux composants doivent être purs. Quand les batteries sont chargées, le liquide doit avoir une gravité de... Ouais. Pureté de l'acide des batteries, veillez à ce que la solution d'acide... C'est vrai que je vais devoir dire. Voyage, c'est le retour du nazi, ah non. Il retourne dans l'allemand, désolé, c'est pas parce que je parle allemand que je suis un nazi, des enculés. Oh putain, vous voyez ce que je vois? Des gros lolos. Oh lolo. Oh yeah. C'est un truc qui est bien dans le jeu, c'est ça. Bon voilà, bon, de toute façon c'est ici qu'on va se quitter. Je vais vous dire ciao, bye bye, en espérant vous revoir. Peut-être pour la dernière vidéo, hein, c'est peut-être la fin, hein. Bah, j'en sais rien, je pense pas. Je pense qu'il y en aura encore peut-être deux ou trois maximum, j'en sais rien. On verra bien. Mais en attendant, bah, moi je vais vous... Je vous abandonne là, en espérant vous revoir pour la suite, bah, pour la fin de ce jeu, parce que ça sert à rien de regarder le début si on ne regarde pas la fin. Je vous montre un peu Rebecca où elle est, parce que si vous savez pas où elle est là. Je m'appelle Rebecca, je suis tout seul, je suis tout seul ici, Billy m'a abandonné, je vis tout seul. Bon voilà, et moi je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine vidéo. Eh, salut à tous!